Le président Henri Lefebvre qui lui remet la récompense. On invitera également Maurice de Guillou sur le podium d'animation, le parrain. Merci aux côtés, bien entendu, du brillant vainqueur, le président du comité des fêtes. Et nous sommes avec Fabien Grelier qui avait déjà remporté victoire d'étape sur le challenge national. Alors, quelle finale? Pour les photos, je pense que tout le monde est calé. Je vais solliciter notre vainqueur. Alors, il est vrai qu'on a dû s'embrouiller sur les derniers kilomètres. Oui, même tout au long de la course, parce qu'on a placé devant dès le départ, ce qui va arranger mon affaire, parce que derrière, comme c'est un circuit qui est très sélectif et très dur, je pense que partir dès le départ, c'est comme un coup de poker. Bon, après, on s'est retrouvé à 5 à 4 du pôle derrière, en route. Donc Axel, lui, devant, on ne savait pas trop quoi faire au départ, parce que... On a dit on roule dessus, on roule dessus et on va rouler parce qu'on est revenu, après on était 5 devant, on était en infériorité numérique. Donc bon après dans l'échappée quand on était devant, on était bien, quinzaine. Il y en a qui n'ont pas roulé, j'ai pas trop compris pourquoi. C'est comme ça, c'est la course. Mais très belle organisation. Merci, merci du compliment du moins pour nos amis du comité des fêtes. Alors, quand tu t'es retrouvé sur les avant-postes et qu'il y avait notamment Thomas Moreau qui était derrière avec 20 à 30 secondes, est-ce que tu avais des craintes, hein? Est-ce que l'on peut dire que tu te disais, est-ce que ça peut revenir? Je ne savais pas qu'ils étaient derrière. Je pensais que c'était Laurent Turcot qui était derrière. Donc non, je l'ai appris à l'arrivée que c'est Simon qui faisait 2 et Thomas 3. Apparemment, ça semble facile. Alors, depuis ce début de saison, combien de victoires à ton palmarès? Là, c'est ma 8e et 5e sur une fédérale, une nationale, je veux dire. Donc, je termine bien l'année, je suis content, je remercie le pôle surtout d'avoir emmené ici et puis tous ceux qui m'ont encadré pour toute l'année parce que je finis bien l'année, quoi, puis l'année prochaine, on rentre dans une DN1. C'est l'année prochaine qu'il va falloir prouver, c'est pas cette année. Merci. Alors déjà, on a prouvé sur la route tout au long de la 30e édition de la Flèche Flandrienne. Pour la fin de saison, est-ce qu'il te reste encore d'autres rendez-vous? J'avais envie d'arrêter ce soir sur un bon résultat, pour pouvoir avec mon entraîneur. Je vais essayer de négocier pour arrêter. Merci. Le président Henri Lefebvre me disait que normalement, la tradition, il accueille le vainqueur chez lui en pension complète pendant une semaine à Plédran. Est-ce que tu peux rester à Plédran dans les Côtes d'Armor? Les filles sont pas mal dans la région. Il y a la place chez lui, confirme. Ouais, c'est sympa, mais bon, là, je pense que je vais couper 15 jours, là, bien me reposer pour reprendre l'année prochaine. Voilà. Les ambitions, deux mots pour 2013, qu'est-ce que tu peux nous dire? Apprendre et puis continuer à me faire plaisir sur le vélo parce que c'est avant tout un sport de plaisir. Et quand on se fait plaisir, on va pas faire les mots. Merci, ça a été très bien fait sur le vélo, très bien dit également au micro. Vos applaudissements s'il vous plaît, vous pouvez le saluer à votre manière. Félicitations bien évidemment à Fabien Grelier. Merci à lui. On enchaînera avec les lauréats des autres classements distincts.